Merci pour ces mots d'accueil. Donc moi je suis Franck Renaud, je m'occupe de la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire, hein, qui est une revue qui existe depuis 2007 et qui essaie de raconter tout ce qui se passe dans l'estuaire et plus largement dans le département. Et le fait est que ces derniers mois, on a souvent, régulièrement, été amené, crise sanitaire oblige, à évoquer des sujets médicaux, et on a même consacré un dossier dans le numéro du printemps dernier à ce qu'on a appelé le pouvoir médical et les relations entre médecins et patients. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, dans le cadre de ce dossier, Louis Raymond, qui est donc ici, sur ma gauche, qui est journaliste, avait, et qui participe au comité de rédaction de la revue, avait fait un reportage sur le CMP, le Centre Médico-Psychologique Beaumanoir, qui est situé dans le centre de Nantes et qui s'occupe un peu, il l'expliquera, mais de toute une partie de l'agglomération de la métropole, toute la partie ouest de la métropole, et raconter un peu ce qu'était le quotidien des soignants qui reçoivent des publics très divers. Et puis, donc, de l'autre côté, à droite, Patrick Cotin, qui est le directeur de la Maison des Adolescents et qui, pour le coup, accueille vraiment le sujet que l'on veut évoquer ce soir, accueille le public directement concerné, puisqu'on a souhaité évoquer la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes qui, peut-être plus spécifiquement, il va nous le dire, est mise à rude épreuve par la crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant un peu plus de 18 mois. Pour démarrer, peut-être, je vais donner la parole à Patrick Cotin pour qu'il nous dise, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas parmi vous, ce qu'est la Maison des Adolescents, comment elle fonctionne, d'où est venue cette idée de Maison des Adolescents, ce qu'elle fait, qui on y trouve, comment et pourquoi on y vient. Et puis après, on viendra sur donc ce moment-là que l'on vit depuis 18 mois et la santé mentale des uns et des autres, mais peut-être plus particulièrement des jeunes qui subissent les assauts de la crise et le mal-être qu'il peut engendrer. Merci de m'avoir invité ce soir, à un moment effectivement un peu, comment dire, particulier de la situation sanitaire que l'on traverse déjà depuis 18 mois et qui nécessite effectivement qu'il y ait une véritable mobilisation de tous sur l'accompagnement des jeunes, des adolescents, mais aussi des jeunes adultes qui ont été beaucoup impactés par cette situation. Du coup, je vous présente peut-être assez rapidement la Maison des Ados, parce que ce n'est pas trop l'objet de notre conversation de ce soir, mais pour savoir d'où je parle, d'une certaine manière, comme on dit. Donc les Maisons des Ados, c'est un dispositif qui a été créé dans les années 2000 par un jeune psychiatre, on ne va pas dire un peu fou, mais qui ose surtout sortir son service pour adolescents de l'hôpital, parce qu'au fond, il fait le constat qu'un certain nombre de jeunes sont empêchés de venir dans cet espace-là, qui est l'espace de la psychiatrie, qui reste au fond un espèce d'impensable pour un certain nombre de gens, comme vous et moi. Le rapport à la psychiatrie reste très empreint du rapport à la folie du 19e, de l'asile notamment, et fait empêchement pour un certain nombre de jeunes ou moins jeunes à accéder à cet espace, qui est un espace de soins, bien évidemment, mais le rapport à la folie est quand même quelque chose d'un peu particulier. J'ai l'habitude de dire, au fond, et c'est tant mieux, d'avoir un rapport totalement normal à quelque chose qui est un peu particulier serait sans doute pas tout à fait normal. Donc considérons que la difficulté à accéder à des soins psychiatriques comme ça naturellement ne va pas de soi. Une fois qu'on a dit ça, au fond, on pourrait dire aussi autrement qu'anthropologiquement, c'est un invariant. C'est-à-dire que ça ne bouge pas depuis des décennies, en tout cas, peut-être plusieurs siècles même, et que la psychiatrie a beau faire beaucoup d'efforts pour
sortir de l'hôpital pour se dédiaboliser, je ne sais pas si le terme est très juste, mais enfin, en tout cas, pour sortir de cette représentation un peu compliquée. On voit bien que ça reste compliqué. Et du coup, ce jeune psychiatre décide de sortir de ce service pour ados de l'hôpital. Il était dans quelle ville ? Il était au Havre. Il s'appelle Alain Fusso. Il implante ce service en plein cœur de la ville du Havre. Du coup, très accessible. Puisqu'il y avait la nécessité à la fois de rompre avec cette difficulté d'accès à l'hôpital psychiatrique, mais il y avait aussi l'accessibilité physique de pouvoir se rendre facilement dans un espace, et notamment pour pouvoir s'y rendre sans avoir besoin d'y être accompagné. Parce qu'on en parlera, mais c'est aussi un enjeu majeur à l'adolescence de pouvoir faire des démarches. De pouvoir faire des démarches, effectivement, en dehors de ses parents, mais pas seulement, de l'entourage aussi. Quel qu'il soit. Du coup, on est au début des années 2000, et à ce moment-là, le président de la République, Jacques Chirac, met en place le défenseur des enfants, donc le premier défenseur des enfants, c'est Claire Brissa, et elle fait son premier rapport en 2002 sur l'adolescence. Et elle constate un certain nombre de choses. D'abord, important, on y reviendra peut-être aussi, parce que c'est peut-être un peu en train de bouger, du fait de la situation sanitaire. Le rapport dit 85% des ados vont bien. C'est important de se le rappeler. Ça veut dire que 15% vont moins bien. Et peuvent avoir besoin d'être soutenus, accompagnés, pris en charge, etc. Mais retenez ce chiffre 85%, parce que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que, bon an, mal an, à un moment donné, 85% des ados vont plutôt bien. Mais donc 15% ont besoin d'être accompagné, pris en charge. Et elle constate deux autres choses, c'est qu'il existe beaucoup de dispositifs pour les jeunes, adolescents et jeunes adultes, mais qu'au fond, ils sont mal connus par les ados eux-mêmes, les familles. Et puis, autre constat, ils sont mal articulés les uns avec les autres, que du coup, vous connaissez cette formule à la française en tuyau d'orgue. C'est-à-dire que les dispositifs existent, ils sont côte à côte, mais ils travaillent mal les uns avec les autres, en transversalité, dans une expression qu'on utilise aujourd'hui, qu'on utilise, nous, les maisons des ados, depuis 20 ans, c'est dans le parcours de soins. Dans l'idée d'un parcours, c'est-à-dire de pouvoir passer d'un endroit à l'autre facilement, en y étant accompagné, mais sans avoir besoin de complications. Donc sur ces trois constats, elle visite un certain nombre de lieux, dont la maison des ados du Havre. Et elle préconise dans son rapport un certain nombre de choses, évidemment, mais aussi et surtout que soit créée une maison des ados par département pour prendre en compte cette difficulté d'accessibilité à un dispositif d'accompagnement. On ne va pas dire prise en charge dans une maison des ados, on va plutôt dire accompagnement. C'est une distinction importante entre notamment les services de soins plus spécifiques. Donc voilà, c'est un dispositif pour être accessible par les jeunes et les familles, pour toute question liée à l'adolescence, parce que aussi ce qui était constaté dans le rapport, mais qu'on sait et que vous savez tous, hein, c'est que l'expression du mal-être à l'adolescence, il est très varié. Et certains, ça va être le sommeil, d'autres l'alimentation, d'autres les écrans, d'autres les consommations excessives, diverses variables. Il n'y a pas de symptomatologie. Pour utiliser un terme un peu médical, je ne suis pas médecin, je ne l'ai pas précisé, mais bon, donc ne m'interrogez pas comme si j'étais médecin, parce que de temps en temps, on pense que tous les directeurs de maisons des ados doivent être médecins. Bon, c'est pas le cas. Vous êtes éducateur spécialisé, à l'origine. De formation éducateur spécialisé, puis j'ai fait un peu de sociologie. Et du coup, j'ai perdu le fil. Oui, la symptomatologie à l'adolescence. Bon. Les adolescents sont extraordinaires, ils inventent tous les jours de nouveaux symptômes. Voilà. Mais ils sont extraordinaires, c'est ça. Il faut surtout penser ça. Et ils sont extraordinaires parce qu'ils trouvent chacun leur manière de traiter leurs propres questions. Il n'y a pas de mal-être adolescent sans question adolescente existentielle. Et donc une manière de la traiter. D'ailleurs, si vous avez... C'était amusant parce que
le prix Goncourt d'aujourd'hui dit que son travail d'écrivain est lié à, est là pour traiter sa question. Et chacun de nous a une question à traiter. Et à l'adolescence, elle est cruciale, parfois vitale. Mais du coup, elle trouve des voies diverses et variées. Et donc, il était considéré, ou il a été considéré, que les maisons des ados devaient être en capacité d'accueillir toutes les questions que les adolescents peuvent se poser, et toutes leurs manières, surtout, de les traiter. Et leur manière étant parfois considérée par l'entourage comme pas très heureuse, un peu excessive, un peu maladroite, un peu... Donc voilà, on est en 2002, Claire Brisset fait ce rapport, et Jacques Chirac, à l'époque, lors de la conférence de la famille, en fait une priorité nationale. Et ça déclenche toute l'administration derrière pour réaliser une circulaire de mise en place des maisons des ados et un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il est confié aux maisons des ados trois missions principales. Une mission d'accueil des jeunes et des familles, une mission de ressources pour les professionnels, au titre de ce que j'évoquais sur la dimension tuyau d'orgue de nos organisations, pour faire en sorte que les professionnels entre eux se connaissent mieux, puissent s'adresser des jeunes facilement, s'orienter des jeunes, etc., et que le parcours de soins pour les jeunes... Je dis soins pas nécessairement au sens médical, c'est important de le préciser. C'est le soin de prendre soin, au fond, plus que le soin médical. Et que donc ces parcours soient facilités pour les jeunes et les familles. Et puis une troisième mission qui est d'être une mission de veille, d'observatoire des questions de l'adolescence contemporaine. Trois grandes missions. Et donc on est en 2004. Les financements, du coup, un appel à projet, au fond, se dégage. Et dans ce département, une personnalité importante du département, Brigitte Hérault, donc femme de Jean-Marc Hérault, elle était conseillère départementale à l'époque. Elle était aussi déléguée territoriale pour la Défenseur des enfants. Donc elle avait beaucoup accompagné ce rapport. Et du coup, elle propose de faire une mission pour la création d'une maison des ados. Elle met en gros 8, 9, 10 mois pour conduire cette mission, qui lui est donc demandée par le président du département, avec, comme j'aime à le dire, un alignement des planètes très favorable dans ce département, puisque au fond, on avait une ligne assez simple, tout le monde était PS à l'époque, depuis la région jusqu'à la ville de Nantes. Donc voilà, ça a facilité grandement les choses, et notamment parce que les maisons des ados, au fond, c'est un projet de politique publique partagé. C'est considéré qu'il n'y a pas un acteur politique principal dans ce projet, il y a plusieurs acteurs parce qu'il y a plusieurs types d'adolescence, parce qu'il y a plusieurs manières d'être adolescent, etc., et qu'il faut pouvoir être autour de la même table. Donc se sont mis autour de la table, dans le comité de pilotage que Brigitte Hérault avait créé, à peu près 80 structures ayant à voir avec les questions de l'adolescence et de la jeunesse. Donc vraiment un panel très représentatif des questions de politique publique adressées aux jeunes, qui ont conduit à un rapport de mission qui a décidé la création d'un groupement d'intérêt public. Ça aussi, ça a son importance, enfin en tout cas pour moi qui le dirige, c'est que c'est l'expression même de cette politique publique partagée. C'est-à-dire que ce n'est pas un service du département, c'est pas un service d'un hôpital, c'est pas une association, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la politique publique, mais partagée, parce qu'elle relève de plusieurs politiques, du soin évidemment, parce que le principal financeur de la maison des ados de l'Atlantique, c'est l'ARS, enfin de toutes les maisons des ados, c'est le principal financeur. Il y a, je crois, deux maisons des ados encore en France qui seront financées intégralement par le département, par le conseil départemental. Mais sinon, c'est vraiment c'est un projet de prévention en santé. Hein. Donc il faut être clair là-dessus. On ne vient pas faire un bal de foot à la maison des ados. Quoi. Donc c'est l'ARS le principal financeur. Mais ensuite, ça se décline avec le département, les villes principales, notamment ici sur le département, la ville de Nantes, Nantes Métropole, puis la ville de Saint-Nazaire quand on a créé une antenne pour le territoire de l'Ouest, puis les collectivités intercommunalité, quand on a créé l'antenne pour le Nord et l'antenne pour le Sud. On verra si on rentre dans les détails, mais enfin, en tout cas,
Ce qui était important, c'est que vraiment ce dispositif voulu par un certain nombre d'acteurs politiques s'incarne dans une structure juridique qui en soit l'expression vraiment. Quoi. Il faut combien de temps pour... ces débuts, le rapport de la défenseur des enfants et le moment... Alors nous, en étant là, le rapport de mission présenté au département en 2005, fin 2005. Donc c'est allé assez vite. Hein. On est, nous, en Loire-Atlantique, je pense, la 7e ou 8e maison des ados de France. Puisque la première, ça a été Le Havre, la deuxième, Marseille. Puis ensuite, en 2004, Marseille, la maison de Solène à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la maison de Solène, qui est une maison un peu particulière, qui est vraiment quand même un service hospitalier d'abord. Et puis ensuite, entre 2006 et 2010, il y a eu 40 à 50 maisons d'ados qui sont créées, puis une deuxième vague. Tous les départements aujourd'hui. Aujourd'hui, 118 maisons des ados. D'accord. Il reste deux départements, je crois, qui n'ont pas de maisons des ados. Donc l'annonce du président de la République, si vous l'avez vu, dans le cadre des conclusions des assises de la santé mentale récemment, qu'il disait qu'il faut créer une maison des ados par département, ça nous a un peu fait sourire, mais elles y sont. Il reste vraiment que un ou deux départements qui n'en ont pas. Donc nous, on est en 2006. Enfin, 2005, le GIP se crée en 2006 et la maison des ados ouvre à Nantes en 2007. Vous êtes donc dans le bâtiment d'Harmonie. On n'était pas dans le bâtiment d'Harmonie. À l'origine, près du CHU. Ouais, non, on était rue Racine, place Gralin. Ouais. Enfin, pas de la place Gralin. Donc plein centre. La volonté, c'était que ce soit accessible, donc plein centre-ville. En même temps, l'accessibilité plein centre-ville pour un jeune de Châteaubriand, c'est pas très facile. Pour un jeune de quartier non plus, d'ailleurs, aussi. Donc, bon, très vite, donc on s'est installé là en 2007. On a ouvert en sachant pas trop comment les choses allaient s'installer. Et puis... Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement au départ, quand vous ouvrez? Alors, quand on a ouvert, on était, je crois qu'on était 8 à l'ouverture. Et on avait organisé l'ouverture avec des animatrices d'accueil, qui est toujours animatrice socioculturelle, parce qu'on avait le souhait d'animer ce lieu-là, notamment du côté de la prévention, promotion de la santé. Des accompagnants sociaux, qui sont travailleurs sociaux ou infirmiers de formation, et puis une équipe de psychologues et de médecins, pédiatres et psychiatres. Et c'est important de dire pédiatres et psychiatres, enfin d'avoir dans son équipe des pédiatres et des psychiatres, parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, la manière d'exprimer leur mal-être à l'adolescence, passe aussi beaucoup par le corps, par l'accidentologie aussi, par des choses comme ça, donc par le pédiatre. Et pour les troubles alimentaires également, c'est important d'avoir des pédiatres. Donc on a une équipe aujourd'hui qui est composée de même type de professionnels, mais qui s'est largement étoffée, puisque après l'ouverture de Nantes, on a ouvert à Saint-Nazaire, 3 ans après, puis 3 ans après à nouveau pour le Nord, et puis 3 ans après encore, tous les 3 ans, on a ouvert une antenne, pour couvrir tout le département. Avec cette idée qu'il fallait qu'on soit présent sur les territoires. Ce sont donc vraiment des antennes, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens de Nantes qui viennent travailler sur le territoire, c'est une équipe installée sur le territoire qui est en réseau avec l'ensemble des partenaires du territoire. Et ça, on le souhaitait vraiment. Et aujourd'hui, on est 40 et quelqu'un à intervenir à la maison des ados. Pas 40 équivalents temps plein, mais une trentaine d'équivalents temps plein. Pour celle de Nantes ou pour les 4 structures? Non, pour les 4. Pour les 4. Pour l'instant, oui. À Nantes, on est une vingtaine, et puis ensuite 7 ou 8 sur chacune des... Avec toujours cette pluralité des métiers entre totalement. Animateurs, totalement. Éducateurs, infirmières, oui. Psychiatres, pédopsychiatres... Et vous avez entendu que j'ai utilisé un terme d'accompagnant social. Et ça nous... On a mis un petit peu de temps avant de trouver la manière de nommer cette première fonction d'accueil, parce qu'on ne souhaitait pas que les ados qui arrivent soient pris au fond par celui qui le reçoit. Parce que les ados sont très sympas, je l'ai dit, ils sont extraordinaires. Donc ils vous nourrissent aussi en fonction de ce que vous êtes. Donc quand ils voient un psycho, ils nourrissent le psychologue. Quand ils voient un éducateur, ils nourrissent l'éducateur. Donc il ne fallait pas prendre ce risque-là. Vous comprenez ce que je dis quand je dis ils nourrissent? C'est-à-dire qu'ils apportent au fond ce qu'ils pensent que l'autre attend. Attend, voilà. Ce qu'il veut entendre. Ce qu'il veut entendre. Donc on ne voulait pas prendre ce risque-là, donc il fallait déconstruire cette première fonction d'accueil. Et la première fonction d'accueil pour
l'ensemble des sites de la maison des ados. C'est donc un accompagnement social qui a pour une mission relativement simple, qui est de prendre le temps. La temporalité à l'adolescence est extrêmement importante. Il faut d'abord pouvoir répondre rapidement quand il est prêt, quand il consent, au fond, c'est le terme qu'on utilise à la maison des ados. Il n'a pas de demande, il consent à ce qu'il ait besoin d'être soutenu, accompagné ou aidé. Et pour ça, il faut qu'on ait du temps pour le recevoir et qu'il ait, lui, au fond, le temps de déplier ce qui lui fait souci. Et les accompagnants sociaux ont comme mission de faire le tour des questions que l'adolescent se pose dans l'ensemble de sa vie sans passer à côté de choses qu'il pourrait pas dire d'emblée. Donc il faut du temps pour ça. Et aujourd'hui, au début et aujourd'hui, les adolescents viennent, ou jeunes adultes viennent tout seuls, c'est plutôt des familles, c'est comment ça se... Non, c'est plutôt les adolescents. C'est plutôt les adolescents, mais on a l'habitude de dire que les adolescents nous amènent leurs parents. C'est-à-dire que la première raison pour laquelle ils viennent nous rencontrer, c'est des difficultés intrafamiliales. Mais ils viennent tout seuls. Et un certain nombre ne veulent pas qu'on informe leurs parents qui sont venus. Ça prend juste un peu plus de temps. Parce que finalement, au fond, ils savent qu'ils viennent pour ça. Mais ils viennent la plupart seuls. Le premier adresseur des maisons des ados, c'est l'Éducation nationale. Ça ne vous étonne pas, ils y sont tous, ou à peu près, une bonne partie de leur temps. Et le repérage se fait beaucoup par l'Éducation nationale. C'est les infirmières qui sont dans les établissements. Les infirmières, les enseignants, enfin l'équipe pédagogique, la communauté pédagogique, de manière générale. Ce sont souvent les premiers repéreurs. D'ailleurs, on en parlera quand on parlera de la crise sanitaire. Mais ça a été un des gros soucis aujourd'hui, est lié au fait que le repérage précoce s'est effondré. Pendant un certain nombre de mois, pas simplement les 2 mois du véritable confinement, mais ça a duré beaucoup plus que ça. Parce que les personnels, notamment de l'Éducation nationale, ont été extrêmement pris par la gestion de la crise. Quoi. Réorganiser les emplois du temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis le distanciel ne permet absolument pas de repérer le mal-être. Et on en a tous l'expérience, je pense, d'avoir été en lien, en distanciel, avec des amis ou avec des proches, et pas s'apercevoir que ça n'allait pas du tout. Donc à l'adolescence, c'est encore bien plus compliqué. Et notamment parce que les adolescents ne veulent pas qu'on sache qu'ils ne vont pas bien. Ils protègent. L'adolescent qui va mal est un adolescent qui protège. Qui protège son entourage, ses parents. Souvent, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il vient, il est accueilli, accompagné, vous l'accouchez en quelque sorte. Ouais. C'est, si je puis me permettre, enfin, qu'ils disent, quoi, qu'ils l'expriment. Et après, il y a une itinérance au sein de la maison des adolescents entre... Il y a quelque chose qui est vraiment important à la maison des ados, c'est, je ne sais pas si j'ai utilisé un terme de psychologie, mais la notion de transfert. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, c'est-à-dire comment dans le lien à l'autre, on transfère un certain nombre de nos émotions et que ça se passe comme ça entre deux psychismes qui se rencontrent. Et nous, on a écrit un article un jour, parce que ça nous avait un peu frappé, sur le fait que justement, à la maison des ados, le transfert, il ne se fait pas sur une personne, mais il se fait sur la maison des ados. Et on y tient beaucoup à ça. C'est le côté équipe. C'est le côté équipe. Voilà, il vient à la maison, en fait. Il vient dans une maison. Et dans une maison, il n'y a pas qu'un individu. Il y a un certain nombre de personnes. Et ça, c'est vraiment important. Et d'emblée, quand les accompagnants sociaux reçoivent les jeunes, ils leur expliquent le fonctionnement et ils leur parlent de ce qu'on considère, nous, comme le cœur du réacteur de la maison des ados, c'est la réunion clinique, ce qu'on appelle la réunion clinique, où sont présents, en plus des accompagnants sociaux, l'équipe pluridisciplinaire. Et je rajoute pluri-institutionnelle, parce que les psychos, les médecins, ne sont pas de la maison des ados directement. Ils sont d'autres services aussi. C'est ça qui fait aussi le lien de l'Éducation nationale pour un certain nombre d'entre eux. Et c'est ça qui fait le lien entre les structures, les institutions. C'est pas simplement du pluridisciplinaire, vous voyez, où on aurait un psycho, un médecin, un psychiatre ou autre. Non, c'est aussi qu'il y a plusieurs institutions qui se sont mises au même endroit pour travailler. Donc ça, c'est le cœur du réacteur, parce que c'est à cet endroit-là que se pense le projet d'accompagnement pour le jeune, qui va ensuite lui être proposé à lui, puis à sa famille, ou à lui et sa famille, suivant s'il a été accompagné. Et ce projet, il peut rester avec des personnels de la maison des ados, ou bien on va plutôt te conseiller d'aller... Alors c'est les deux.
peut-être, je reviens, on reviendra à cette question, mais tout à l'heure par rapport à la question de comment ils viennent, s'ils viennent seuls ou pas. 25% des jeunes, quasiment depuis l'origine, viennent par ce qu'on appelle le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'ils se sont informés les uns les autres. Et beaucoup de jeunes sont accompagnés par d'autres jeunes. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui note... surpasse le mot. Oui, ça a une certaine... je cherche le terme qu'avait utilisé un sociologue qui avait fait une évaluation de la maison d'ado. La notoriété de la maison d'ado auprès des jeunes. Il y a une notoriété dans le sens où elle est reconnue pour être accueillante et bienveillante. Et du coup, le parcours qui peut se faire à la maison d'ado, c'est la formule qui est utilisée, qui est dans le cahier des charges des maisons d'ado qu'on a révisé il y a 5 ans dans le cadre d'un plan bien-être et santé des jeunes, dont je vous parlerai peut-être un peu parce que c'est un moment important. Dans le cahier des charges, on a écrit, je dis on, c'est le ministère, mais comme on était à l'écrire ensemble, une équipe pluridisciplinaire, une prise en charge pluridisciplinaire de courte durée. Parce que la maison des ados, comme je le disais, c'est fait de l'accompagnement, pas de la prise en charge. C'est-à-dire qu'on ne s'inscrit pas dans la longue durée. Dès lors qu'il y a une problématique, pour ne pas dire une pathologie, repérée, importante, qui va prendre du temps, elle relève forcément d'un partenaire. De la dicto, du social, du médico-social, etc. Et du coup, on va accompagner les jeunes et les familles vers ce dont ils ont besoin durablement. Nous, on va intervenir sur une... Quand on dit courte durée, c'est entre 6 mois et un an et demi. Parfois beaucoup plus longtemps, mais parce que les jeunes reviennent. On a des jeunes qui viennent depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais ils viennent par petites... tranches. Oui, c'est ça, et par tranches de vie compliquées pour le jeune. Quoi. Donc il revient. Combien d'adolescents 2200. 2200 pour le département. Pour le département, oui. La moitié à Nantes. Et alors ? Des garçons, des filles, un peu plus de filles, vous savez, les filles sont plus sujettes à accepter de venir parler. Bon, les garçons, c'est plus compliqué, notamment quand ils sont plus jeunes. Parfois, on s'arrache un peu les cheveux sur la manière de les accompagner. Et 17 mars 2020, donc on est... Alors, j'ai pas fini tout à fait peut-être sur la présentation. Moyenne d'âge, 15-16 ans. Beaucoup plus jeunes dans les territoires du Nord et du Sud. On a affaire à des jeunes collégiens, 11, 12, 13 ans. Bon, il y a moins d'étudiants et de lycéens, et de lycéens aussi. Donc c'est un peu normal. Mais quand même, on repère dans ces territoires que l'âge de l'expression du mal-être est quand même un peu plus tôt. Un peu plus tôt, et beaucoup de garçons. Et vous avez cherché à... Pas toujours tout chercher à comprendre. Non. Nous, notre position elle est relativement simple. Les portes sont ouvertes. Voilà. Les portes sont ouvertes à qui en a besoin. Et voilà. Et ce qui m'a fait d'ailleurs, je pense, enfin, ce qui nous a fait, je pense, facilement impliquer l'ensemble des partenaires des politiques publiques de ce département, c'est de dire que là où il y a des ados, il y a du mal-être. Et le fameux 15%. Les 15% voilà. Que vous évoquiez. Donc ne cherchez pas à savoir combien il y a de jeunes sur votre territoire qui vont mal. Il y a 15% des jeunes qui vont pas bien et qui ont besoin de nous. Donc voilà, ça suffit pour... Et puis, une autre chose aussi, qui est finalement relativement utile, et je l'ai vérifié dans mes fonctions de président de l'Association nationale, dans mes liens avec les différents ministères, voire avec l'Élysée, quand on travaillait notamment sur le plan bien-être et santé des jeunes, c'est que chacun de nous ici a des expériences d'ados qui vont pas bien. Donc ça facilite le dialogue. Le dialogue. Et puis je rajoute aussi souvent, plus les ados ne sont ni de droite ni de gauche. Et les parents d'ados sont de droite et de gauche. Donc tout va bien. Tout le monde se sent concerné, c'est ça que je dis. Oui, c'est chacun connaît un épisode. Oui, ouais. D'ailleurs pour soi-même. Hein, oui. Ouais. Donc 17 mars hein, 2020, on est enfermé chez nous. Moi je suis sur les pistes de ski avec mon petit-fils. Qui n'est pas adolescent ? Si. Et donc vous rentrez chez vous. Comme tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu au cours des mois qui ont suivi ? Alors déjà, comment on s'organise dans un lieu qui est une porte ouverte, dont les portes sont ouvertes 6 jours sur 7 ? Oui. Lundi, samedi, ouais. À Nantes. À Nantes, c'est plutôt lundi, vendredi.
comment vous vous organisez, est-ce que vous découvrez les joies du à distance, et comment ça se vit, justement, cette découverte. Et puis, est-ce que vous voyez à la fois des adolescents qui n'allaient pas bien ou avaient des problèmes, ces difficultés s'accentuent, ou bien est-ce que vous voyez ces 15% qui grossissent Alors, je vais reprendre une expression d'un philosophe qui s'appelle Eric Fiat, qui est venu intervenir pour nous il y a pas très longtemps, qui avait intitulé cette conférence « De la sidération à la considération ». Et parce que je pense qu'on a tous vécu un moment de sidération, moi le premier en tant que directeur de la Maison des Hommes, et de la sidération à se dire « Mais comment on va pouvoir continuer à recevoir les jeunes et leur mal-être dans une situation où chacun doit absolument rester chez soi ?» Et puis il a fallu très vite pour nous, en tout cas, passer à la considération, c'est-à-dire à considérer la situation dans laquelle on était, dans laquelle les jeunes et les familles allaient être, tout ça étant beaucoup, imaginé. C'est-à-dire que chacun de nous a une expérience du confinement, mais elle est unique, hein. Elle n'est pas celle du voisin, celle de... on ne sait pas. Et tout à l'heure on parlait du distanciel, le distanciel ne permet pas de savoir ce qui s'est vécu dans les familles. Donc on passait à la considération. La considération, ça a été très vite, hein, au bout de 2-3 jours, dire c'est pas possible, il faut qu'on reste ouvert. Il faut qu'on soit disponible aux ados. Donc on a tout organisé en 8 jours, et là je ne sais pas s'il y a des élus du département, je n'ai pas aperçu, je ne crois pas. S'il y en a, en tout cas, je remercie le département, puisque je n'ai pas dit, mais le groupement d'intérêt public est présidé par le département de droit. Donc on a une convention de moyens avec eux, c'est eux qui nous accompagnent, notamment sur la téléphonie et l'informatique. Donc très vite, on a été équipés, parce qu'on n'était pas équipés. On était équipés dans nos bureaux, on n'était pas équipés de téléphone portable, etc., les uns les autres. Donc on a été équipés très vite par le département. On a bricolé pendant 8 jours, et puis de suite, on s'est équipés pour être disponible aux jeunes et aux familles. Et nous, on a pris l'initiative, ce qu'on ne fait pas habituellement, hein, de contacter les jeunes et les familles pour leur demander comment ils vont. D'aller vers, donc, de passer le coup de fil. Ouais. D'habitude, c'est sur rendez-vous. La première rencontre se fait pour la moitié des jeunes à peu près sans rendez-vous, parce qu'ils viennent à Nantes ou à Saint-Nazaire. Pour les autres territoires, je ne l'ai pas dit, mais c'est sur rendez-vous parce que pour des questions d'accessibilité, on a organisé des accueils sur chacun des EPCI. Les EPCI, c'est les intercommunalités. Il y en a une vingtaine dans le département. Donc on a des lieux d'accueil sur chacun des EPCI. Mais c'est sur rendez-vous parce qu'on ne voulait pas que les personnels attendent des jeunes qui ne viendraient pas. Quand on est à Derval, quand on est à Riaillé, etc. Bon, donc tout s'organise sur rendez-vous. Donc en dehors de ces rendez-vous, les rencontres se font directement, et puis ensuite, c'est sur rendez-vous. Donc, tous les personnels avaient des rendez-vous dans leur agenda. Donc, ils ont tous rappelé les jeunes et les familles avec qui ils avaient des rendez-vous pour reprendre des rendez-vous, en tout cas pour s'assurer que tout allait bien. Et comme ça, de semaine en semaine, on a tenu l'activité auprès des jeunes qu'on connaissait. Par contre, pour tous les jeunes qu'on ne connaissait pas, évidemment, il ne s'est rien passé. On a ouvert une ligne téléphonique, comme beaucoup d'autres, mais elle a été très très peu utilisée. C'est-à-dire que le public sur lequel on est, nous, c'est, vous l'avez compris, c'est pas des jeunes qui sont en situation de gravité extrême. On est dans la prévention, dans le champ de la prévention. On a en amont des troubles graves. Voilà, donc pendant le confinement, d'abord, ce qui est important de dire, c'est que un certain nombre de jeunes sont allés beaucoup mieux. Vous en connaissez peut-être. Pourquoi ? Comme d'ailleurs, pas que des jeunes, des adultes aussi. Parce que la pression scolaire s'est effondrée, les obligations sociales se sont effondrées, et il y a un certain nombre de jeunes et de familles qui allaient beaucoup mieux. Et de gens qui n'étaient pas bien au boulot, etc., qui sont allés beaucoup mieux aussi pendant ces moments-là. Donc ça, c'est quand même le premier effet, hein, faut le souligner. Et puis, évidemment, il y a eu ces familles qui, elles, dans une expression qu'on utilise dans notre jargon,
qu'on va qualifier de dysfonctionnelles. Donc les jeunes vulnérables dans des familles dysfonctionnelles, là pour le coup ça a été très compliqué. Et à la sortie du confinement, alors ceux-là, nous, on ne les a pas vus du tout pendant le confinement, ceux qui ne nous ont pas sollicités. Par contre, les urgences, eux, ont accueilli des situations un peu plus complexes, on va dire. Ouais. Et puis à la sortie du confinement, nous, on ne les a pas vus parce que la situation des jeunes les plus en difficulté s'est dégradée à tel point qu'il est, c'était plutôt du côté social que l'hôpital. C'est-à-dire du social par ce qu'on appelle des informations préoccupantes, et puis les services sociaux qui ont pris la main, on va dire, et puis l'hôpital. Et nous, on a mis beaucoup de temps avant de revoir les jeunes. Mais pour une raison relativement simple que j'ai déjà énoncée, c'est que nous, on travaille à partir d'un repérage précoce des difficultés que rencontrent les jeunes, et notamment par l'éducation nationale. Ouais. Pas seulement... Enfin, l'enseignement... L'enseignement général. Et que là, il y a eu vraiment un effondrement du repérage précoce, mais vraiment complètement, qui a duré longtemps, parce que toute l'organisation autour de la prise en charge de la situation sanitaire elle-même a fait que les personnels de l'éducation nationale n'étaient pas à la fois disponibles à ce repérage précoce, et puis aussi les jeunes eux-mêmes étaient en alternance à l'école. Ouais. Donc, il y a eu un creux dans la fréquentation. Toutes les maisons des ados de France, vraiment toutes, hein, ont constaté un infléchissement de leur activité. Et alors, depuis que les portes sont ouvertes, à peu près normalement, voilà. Que se passe-t-il? Entre janvier et juin, plus 25% d'augmentation d'activité à la maison des ados de Loire-Atlantique. Leur repérage précoce a redémarré, les jeunes ont retrouvé le chemin de l'école. Plus 25% par rapport à l'année 2019. Oui, c'est pas ça. Pas 2020. 2020 est neutralisé. 2020, ouais. On n'en parle même pas. Encore que 2020, vous voyez, on a une baisse de nombre de suivi de jeunes, mais on n'a pas eu une baisse du nombre d'entretiens réalisés avec chaque jeune. Parce qu'il y a eu un autre effet, qui est que les situations se sont complexifiées. Les jeunes sont plus en difficulté qu'ils n'étaient. C'est-à-dire les jeunes en difficulté sont plus en difficulté qu'ils n'étaient. Du coup, l'accompagnement est plus compliqué. Donc la durée d'accompagnement est plus compliquée pour nous. Et en plus, on a un autre effet, c'est que tous les services d'amont de la maison des ados sont saturés. Et notamment les services de psychiatrie. Donc effectivement, il faudra parler un peu, parce que la psychiatrie va pas très bien. Donc du coup, ça a un effet extrêmement important sur notre propre activité. On est en train de régler, enfin, l'ARS notamment, notre principal financeur, nous a octroyé des moyens complémentaires importants pour prendre en compte cette difficulté. C'est-à-dire des personnels supplémentaires pour accueillir tout le monde. Quoi. Oui, on a eu l'équivalent de 4 équivalents temps plein, donc ce qui est beaucoup pour nous, et qui a permis de faire que l'accueil des jeunes à la maison d'ados est redevenu à peu près normal. Et alors il y a quand même quelque chose, si on parle encore de la situation sanitaire, c'est que l'interprétation de ce qui s'est passé est compliquée, va prendre du temps. Mais quand même, ce qu'on a un peu aperçu, et ça c'est valable pratiquement sur tout le territoire national, c'est que c'est pas partout, c'est pas tout le temps, et c'est pas pour tous. Pas partout, pas tout le temps, pas pour tous. C'est-à-dire que c'est un truc bizarre qui s'est passé, qu'il y a des moments sur des territoires où ça flambe, et puis ça retombe. Et puis c'est pas pour toutes les familles, et c'est pas pour tous les jeunes. Donc vraiment, c'est extrêmement compliqué à interpréter et à analyser. Et moi, du coup, j'ai une expression assez simple pour prendre en compte ça, cette complexité qu'on aura du mal à percevoir, c'est qu'il faut qu'on soit présent. C'est tout. Il faut qu'on ait les moyens d'être présent à ce qui va arriver, même si on ne sait pas ce qui va arriver. Maintenant, on en a une petite idée, quand même, en tout cas sur le fait que la santé mentale des jeunes et peut-être, j'allais le dire, mais comme j'ai relu quelques trucs là, avant de venir, je suis moins sûr de ce que je vais dire, mais c'est pour dire à quel point l'incertitude, au fond, sur la crise sanitaire elle-même, la gestion du Covid, on la retrouve en santé mentale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'incertitude sur les effets. Mais enfin, ce que j'allais dire, c'est que c'est plutôt les grands ados, jeunes adultes, qui ont été impactés. En première intention. Aujourd'hui, les 11-14,
On ne sait pas encore. Et vous voyez la fréquentation augmenter, cette tranche d'âge-là? Ah, je n'ai pas les données là. Vous ne savez pas, oui, c'est 25% en plus globalement. Oui, c'est ça, globalement. Je n'ai pas fait par tranche d'âge. D'accord. Mais on sait que les jeunes adultes sont très impactés. Mmh. Bon, ce n'est pas très étonnant. Oui, hein. Tous les primo-étudiants, notamment, qui sont arrivés à Nantes, voilà, qui sont retrouvés seuls, sans boulot, sans possibilité. À suivre des cours sur un téléphone. Non, avec... c'était une catastrophe. Oui, oui. On va effectivement passer la parole à Louis Raymond. Alors, Louis, je te passerai le micro après. Tu es allé dans deux endroits, un endroit qui, lorsqu'on n'a pas passé la porte, et semble un peu mystérieux, qui est l'hôpital Saint-Jacques, qui est près de Pont-Rousseau, et puis tu es allé au CMP Beaumanoir, donc qui lui est derrière le quai de la Fosse, là près de la place René Mouillé. Raconte-nous un peu, tu y es allé justement juste après le pic de la crise sanitaire. Dans ces deux endroits. Raconte-nous un peu ce que tu as vu et ce que ça peut nous dire aussi de l'état de la psychiatrie en France. Bonsoir. Alors, merci pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravi d'être là ce soir. Donc, oui, effectivement, j'ai fait ce reportage au CMP Beaumanoir, au Centre médico-psychologique Beaumanoir, qui est, comme Franck le disait à l'instant, pas très loin de la place Canclot, rue La Mauricière, donc voilà, centre-ville de Nantes. Et qui est dans une ancienne usine électrique. Voilà, c'est ça. Il y a un petit supermarché au rez-de-chaussée, et c'est à l'étage. Et en parallèle, alors c'était un double reportage, en deux volets, puisque pour le site internet Médiacité, j'ai travaillé sur les hospitalisations sans consentement, où j'ai accompagné la juge des libertés de la détention à l'hôpital Saint-Jacques, qui est donc l'hôpital psychiatrique à Nantes, dans le cadre des audiences qu'elle y tient toutes les deux semaines. Je précise également qu'il y a eu dans Médiacité, mes deux articles ont été rédigés au cours du mois de mars, entre mars et avril 2021. Ils ont été publiés alors dans le numéro 78 de Place Publique et le numéro de printemps, et dans Médiacité en avril. Et Médiacité a fait un article juste après, en mai 2021, par un de mes consoeurs, qui s'appelle Sophie Cousin, qui parlait de la pédopsychiatrie avec... elle montrait une réalité tout à fait effarante. Elle parlait notamment de la hausse des suicides dans les services de pédopsychiatrie, qui est un fait rarissime au CHU de Nantes. Voilà, c'est un article que je vous encourage à lire si vous en avez l'occasion et si vous êtes abonné à Médiacité. Pour l'article, donc celui-ci, dans le numéro 78 de Place Publique, j'ai travaillé en me rendant au CMP Beaumanoir, en essayant... L'ambition était multiple. À la fois, je voulais essayer de montrer quel est le travail des personnels, qu'ils soient infirmiers ou qu'ils soient médecins en psychiatrie, quel est le travail de la psychiatrie de secteur, essayer de proposer une photographie un an après le début du Covid, donc nous étions en mars 2021, donc un an après le premier confinement, où en étions-nous, quelle était cette vague dont tout le monde parlait. J'avais lu des articles dans la presse, mais jamais de choses très précises. Je voulais également me questionner sur la question du financement de la psychiatrie. Est-ce qu'on avait les moyens de faire face à cette vague qui arrivait? Et en filigrane, esquisser une réflexion sur quels soins est possible dans ce cadre-là. J'ai donc parlé avec l'équipe infirmière. J'ai travaillé en faisant d'abord un long entretien collectif avec une équipe infirmière, qui est l'équipe du secteur 1 de psychiatrie. Alors à Nantes, il y a plusieurs secteurs. Vous savez, les secteurs en psychiatrie, c'est un petit peu comme la carte scolaire, avec voilà, une délimitation territoriale. Moi, l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, c'est l'équipe du secteur Indre, Saint-Herblain et Couëron. Donc c'est un secteur où il y a relativement peu de jeunes, en tout cas peu d'étudiants. Donc je les ai accompagnés, et ensuite j'ai eu l'autorisation d'accompagner
les infirmiers dans les entretiens qu'ils mènent avec les patients, les entretiens infirmiers. Ensuite, j'ai fait des entretiens complémentaires, notamment avec le docteur Rachel Vaucher, qui est une des chefs de service en psychiatrie au CHU, et qui était aussi adjointe au maire à l'époque de Jean-Marc Ayrault, ainsi qu'avec des médecins généralistes, etc. Alors, d'abord, quel est ce travail qui est mené dans les CMP, dans la psychiatrie de secteur? C'est un travail, moi ce qui m'a impressionné, c'est que c'est un travail de proximité, de réussir à tisser un lien de confiance avec les patients. J'ai assisté notamment à un entretien, c'est ce qui ouvre l'article, avec un monsieur qui avait eu des bouffées délirantes il y a une vingtaine d'années et qui était suivi au CMP, à la fois pour des entretiens infirmiers et par le psychiatre qui pouvait ajuster son traitement, notamment en fonction de ses effets sur la libido, sur sa libido et sa mémoire. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point l'infirmière arrivait à tisser un lien de confiance. Le patient n'avait pas peur de se confier, notamment sur sa consommation d'alcool, sur sa situation sociale, sur sa compagne était alcoolique, il en parlait, il essayait de... Voilà, il n'avait pas peur, en fait. Il y avait vraiment une confiance. Et donc, après, les infirmiers m'ont expliqué que leur travail n'est pas seulement d'essayer de soigner, de comprendre la pathologie, c'est essayer de remettre les gens dans la cité. Et c'est ça, vraiment, le cœur de leur travail. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que pendant le début du premier confinement, ça confirme ce que disait Patrick Cottin à l'instant, le premier confinement, les patients, leurs patients en tout cas, ont relativement tous tenu. Le CMP était resté ouvert, mais il n'y a pas eu un grand nombre de décompensations, pas plus que la normale. Les gens étaient tellement terrorisés, en fait, par la situation sanitaire, c'était le ciel qui nous tombait sur la tête, on ne savait pas ce qui se passait, on avait peur de quelque chose de plus grave que sa santé mentale. Et donc les gens sont restés chez eux. Mais c'est après. Alors après le premier déconfinement, donc il y a eu un été qui avait un peu un goût de liberté, et après, quand l'automne est arrivé, il y a eu le deuxième confinement, et là, ils ont eu des nouveaux patients. Alors, du fait du secteur Indre, Saint-Herblain, Pouéron, relativement peu d'étudiants. Mais malgré tout, ils ont eu des appels, et des appels alarmants. Je cite, c'était une infirmière qui me racontait ça. Elle avait eu un entretien avec un jeune étudiant qui arrivait de Lyon, je crois pour un master, pour un diplôme, il devait avoir 21 ou 22 ans, quatrième année d'une école. Et il venait juste d'arriver. Donc il se retrouve, il arrive en septembre, le confinement, le deuxième confinement est décrété fin octobre. Donc lui n'avait pas eu le temps de tisser un lien social, il s'était retrouvé complètement isolé, et voilà, il décompense complètement, il panique parce qu'il se retrouve complètement isolé, et donc voilà, elle racontait ça, et c'est ce type de patient qu'ils ont vu arriver. Un autre exemple, c'était... une infirmière avait été appelée par une maman en pleurs parce que sa fille allait mal, je cite, et elle ne savait pas comment l'accompagner. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est arrivé. Il y a eu beaucoup plus de jeunes, pas forcément sur le secteur d'Indre, Pouéron, Saint-Herblain, mais sur les autres secteurs du centre-ville. Les étudiants, je pense qu'on a tous en tête les images des files d'attente des étudiants dans les collectes alimentaires. Voilà, il y a eu une souffrance particulière. Et ce qui s'est vérifié au CMP Beaumanoir, c'est que c'était un petit peu une vérité plus cruelle. C'est pas seulement la souffrance, c'est aussi les étudiants, ils écrivaient des mails en disant « Est-ce qu'on peut venir au CMP ?» et surtout « Est-ce que c'est gratuit ?» Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour aller consulter un psychologue en libéral. Parce que voilà, les consultations n'étaient pas remboursées. Ça, c'est une question très importante. Les consultations... Et juste, pour les étudiants, comment ça se... Il n'y a pas le service de santé de l'université ? Oui, il y a un service de santé de l'université. Il y a également des associations qui sont présentes. Il y a un tissu associatif très nombreux. Patrick Cottin en a parlé, c'est parfois...
comme un orgue, effectivement, mais ça existe. Mais vous savez, quand on est dans une situation comme celle-ci, je crois qu'on prend la première info qui nous vient, et si on dit, voilà, il y a peut-être une solution au CNP, ben on écrit au CNP pour se renseigner. Et le réflexe qu'il y avait, c'était, voilà, je d'abord aller chez les psychologues en libéral, et alors ensuite, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de l'Innovation, je n'oublie pas, je dis toujours le I à la fin de ce sigle, a mis en place une mesure qui s'appelait Santé Psy pour les étudiants, qui permettait trois consultations gratuites chez un psychologue si c'était prescrit par le médecin du SSU, du service de santé des étudiants, donc au sein des universités, les CROUS, etc. Donc ça, c'est une mesure qui a existé, qui a été prise par le gouvernement à ce moment-là. C'était trois consultations de 45 minutes avec la possibilité de les renouveler. Trois fois, je crois. C'était donc un maximum de 6 consultations gratuites. Donc ça, ça existait. Mais la question du remboursement des consultations en psychologie, c'était une question très importante. Parce que il y avait une expérimentation depuis quelques années dans 4 départements où, sur prescription du médecin traitant, il était possible d'avoir une psychothérapie qui était remboursée par la Sécurité sociale. Et cette expérimentation était très positive dans les départements où, alors, il y avait le Morbihan, notamment. Et alors moi, quand j'ai fait ce papier, il n'était pas encore question... La Cour des comptes préconisait la généralisation de ce remboursement par la Sécurité sociale, mais ce n'était pas encore fait. Ça a été officialisé là, il y a un mois et demi maintenant, au moment des assises de la psychiatrie, fin septembre. Il y a eu des assises générales de la psychiatrie, 27, 28 et 29 septembre. Et c'était une des annonces du président de la République. Et ça se fera à partir de 2022, il me semble. Pas généralisé pour les adultes. C'est pas pour les adultes, c'est seulement pour les jeunes. Je crois, oui, pour les 3 à 18. D'accord. En tout cas, nous, il y a d'autres expérimentations en cours de cette nature-là, parce que nous, en Loire-Atlantique, on porte une expérimentation qui s'appelle Écoutez-moi, sur le territoire de Saint-Nazaire, qui est aussi des consultations de psychologues, sur prescription médicale, et qui devait se terminer à la fin de l'année. Mais elle a été prolongée d'une part, et puis un peu, comment dire, les décisions du président de la République, un peu rapides, ont fait que cette expérimentation ne va pas aller au bout, probablement, parce que ils ont annoncé que ça allait se généraliser. Bon. C'est une bonne chose, hein, je ne conteste pas, simplement que nous, ce que l'on préconisait depuis déjà un moment, tout à l'heure je faisais état d'un plan qu'on a appelé « Plan bien-être et santé des jeunes » à la demande de la présidence de la République, François Hollande en l'occurrence. Il y avait cette mesure de consultation gratuite pour les... Enfin, gratuite. C'est pas gratuit, c'est remboursé. Pareil. Ça a un coût. Mais il y avait cette expérimentation dans le plan bien-être qu'on a mis en place depuis 3 ans maintenant sur le territoire de Saint-Nazaire. Et donc qui devait conduire à être évalué, qui va l'être, hein, mais bon, faites des annonces, ça modifie les choses. Et surtout, ce qu'on préconisait, nous, au niveau des maisons d'ados, c'était que soit travailler en même temps la question du territoire et du parcours de soins, que le soin psy, c'est-à-dire l'accessibilité à un soin psy, de psychologue, fasse partie d'une espèce de panier de soins et que ce ne soit pas hors sol. Bon, donc on continue à porter cette idée que, et notamment pour les territoires ruraux, il n'y aura pas de psychologues à s'installer sur les territoires ruraux s'ils sont isolés. Et on voit aujourd'hui un effet embarrassant, c'est que beaucoup de jeunes sont suivis par des psychologues habituellement, quoi. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes, dans ce que je disais tout à l'heure, qui n'allaient mal, vont encore un peu plus mal. Et du coup, certains psychologues ne sont pas en mesure d'accompagner un jeune qui va très très mal seul.
Du coup, il y a des arrêts de prise en charge qui sont très embarrassants. Justement, donc, c'était le rapport de la Cour des comptes qui est sorti en mars 2021, qui a servi à préparer les assises de la psychiatrie, qui a servi de base aux annonces du président de la République juste après ces assises. Alors, toute la profession psychiatrique, que ce soit les médecins, les infirmiers, tirait la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Je résume alors très rapidement les annonces du président de la République. C'était la création de 800 postes en CMP, 400 dans des centres médico-psychologiques pour adultes et 400 en pédopsychiatrie. Seulement, il y a un peu plus de 3000 CMP en France. Donc vous faites le calcul, ça fait à peu près un quart de poste par CMP. On peut considérer, et c'est d'ailleurs ce que montraient les articles de presse, que c'est un peu du saupoudrage de moyens et que c'est pas grand-chose par rapport à ce qui est en train de se tramer. Oui, vous pouvez rajouter qu'il doit manquer à la louche une dizaine de milliers de postes. Oui. Non pourvus. Financés, mais non pourvus. Financés, mais non pourvus. Là, on arrive à une question qui est celle du financement de la psychiatrie. Alors, quand j'ai interviewé le docteur Baucher, je lui ai parlé de l'organisation des assises, etc., que c'était un projet, et elle m'a répondu tout de suite, « Vous savez, les assises, on se réunit, on parle, mais on décide rien. Ce qu'il faut, c'est une loi pluriannuelle, un petit peu comme il y a des lois pluriannuelles de programmation militaire, c'est-à-dire quelque chose qui est piloté non pas par le ministère de la Santé, mais par Matignon, qui est transverse, parce que la psychiatrie, ça touche à énormément de questions de politique publique, au logement notamment. On a beaucoup plus de chances de développer une dépression, par exemple, quand on est mal logé que quand on est bien logé. Et donc voilà, un chantier qui serait piloté par Matignon avec une vision stratégique sur plusieurs années. Le problème, c'est que ouvrir un tel chantier en 2021, à la veille d'une année présidentielle, il n'y a pas beaucoup de politiques qui s'y risquent. Juste une question sur le CMP que tu as visité, là, Beaumanoir. Concrètement, ils sont à flux tendu les... Alors, ça dépend des secteurs. Mais l'équipe infirmière que j'ai rencontrée m'a dit qu'ils étaient... En fait, ce qui fait qu'ils sont à flux tendu, c'est que leur métier se diversifie, ils doivent faire toujours plus de techniques de soins différentes, toujours plus de pratiques de soins différentes, et ce, à effectif constant. Et donc, à un moment, le temps vient à manquer, ils ne peuvent pas tout faire. Et ils m'ont confié qu'ils étaient très soulagé qu'il y ait eu un poste de psychologue, un mi-temps de psychologue qui soit venu en renfort, créé par l'ARS à la faveur de la crise sanitaire. Donc voilà, il y a un besoin de postes, un besoin de financement. Je crois que le nombre de postes de psychiatres non pourvus en France, c'est au moins, de médecins psychiatres, c'est au moins 1200. Donc ce sont des postes ouverts au concours de l'internat, etc. Et que personne n'a pris, parce que y a un manque d'attractivité très grave des carrières dans la psychiatrie. Là, je parle des médecins, mais c'est la même chose pour les infirmiers, c'est même pire, en fait. Et quand on ajoute à ça, Patrick Cottin en a parlé, il y a un déséquilibre entre les villes et les campagnes, également, la question des déserts médicaux, etc., voilà, il y a un vrai problème. Alors, la Loire-Atlantique n'est pas si mal lotie que ça, parce qu'on est à peu près dans la moyenne nationale, avec 23 psychiatres pour 100 000 habitants, 22,8 en Loire-Atlantique, et la moyenne nationale, c'est 23. Mais si vous comparez la Vendée, il y a 9 psychiatres pour 100 000 habitants. Donc là, on est très largement en dessous de la moyenne. Et il y a quelques départements, la Creuse notamment, où il n'y a aucun psychiatre dans tous les départements. Donc voilà, il y a un vrai problème, en fait, d'attractivité de cette médecine-là, de cette carrière-là de médecine, et c'est lié à des questions de financement. Le Ségur de la santé qui avait eu lieu en juin 2020, donc juste après le premier confinement, a
leur a rehaussé légèrement les salaires de toutes les professions médicales, infirmières en particulier. Mais est-ce que c'est suffisant? Je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il faut... On pourrait parler des enseignants. De tous ces métiers du prendre soin. Voilà. Qui ne sont pas valorisés comme ils devraient l'être. Et pas autant que dans d'autres pays d'Europe. Voilà. Donc ce manque d'attractivité, on le vit aujourd'hui de manière... cruel, hein, parce qu'effectivement, il y a une tension énorme sur ces métiers. J'étais encore au téléphone ce matin avec une directrice d'un service à qui je voulais prendre un bout de poste, qui ne veut pas que je le prenne. Si je le prends, je ne trouverai personne d'autre. J'avais aussi un cadre infirmier au téléphone récemment parce que j'embauchais une de ces infirmières qui disait, bon, de toute façon, il m'en manque 30, alors. Une de plus, une de moins. Non, c'est dramatique. Et ça a pour conséquence de... on n'est pas capable, vous parliez des métiers du soin, mais c'est une question plus générale. On a du mal à prendre en compte la question de la vulnérabilité. J'ai lu, pour préparer ce reportage, les travaux de Cynthia Fleury, qui est une philosophe, qui est... psychanalyste et qui a une chaire de philosophie à l'hôpital à Paris, dans un hôpital, je crois que c'est à Paris Psychiatrie et Neurosciences, le pôle Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et Cynthia Fleury, alors elle a fait, vous savez, dans la collection Tracts de Gallimard, un petit livre qui est une version, en fait, qui est la leçon inaugurale, la conférence inaugurale de sa chaire. Qui est une version, disons, pour les profanes comme moi, parce que je n'ai pas toujours les compétences pour essayer de suivre sur le long terme des travaux comme cela. Mais ce petit livre, Tract chez Gallimard, est tout à fait intéressant. Et donc, voilà, elle essaye, en fait, de ce qu'elle montre, c'est qu'il faut créer une société où cette question de la vulnérabilité, elle n'est pas mise de côté, mais où on l'accepte. Et c'est ce avec quoi on a encore un peu du mal. Alors, la psychiatrie, il y a des efforts qui sont faits pour essayer de prendre en compte cette question de la vulnérabilité. À Nantes, par exemple, je cite dans ce reportage le projet Equipad, qui est un projet alors mené par le docteur Baucher, mais c'est un projet qui vise à faciliter les soins à domicile en psychiatrie. Alors, l'hospitalisation en psychiatrie fait peur, continue de faire peur pour de multiples raisons. Et donc, alors, les soins à domicile, ça a toujours existé. C'est aussi vieux quasiment que la médecine. Mais la nouveauté, c'était permettre, se donner des meilleures conditions, essayer de systématiser ça, en fait. Et c'est ce qui a été fait à Nantes. Et... je crois que la conclusion, c'était la conclusion de mon papier, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit, M. Cotin, mais voilà, il y a quelque chose de dramatique, en fait, dans notre absence de prise en compte, je dis notre, c'est collectif, hein, c'est à l'échelle d'une société, notre absence de prise en compte de ces questions-là, je crois qu'on a beaucoup parlé... Tout le monde se souvient du discours d'Emmanuel Macron où il comparait la situation sanitaire à une guerre. Il avait fait un long discours, il avait répété une quinzaine de fois le mot « guerre ». C'était lors du premier confinement. Au premier confinement. Et quand on fait une guerre, je crois qu'il y a quelque chose d'un petit peu criminel à essayer de mettre tous les moyens d'un côté et découvrir un autre flanc. Moi, ça me rappelle un peu la ligne Maginot. Et j'ai l'impression que c'était ce qu'on a fait. On a focalisé notre attention sur une vague donnée, qui est la vague du Covid, qui était une urgence absolue en mars 2020, mais il y a d'autres urgences. La santé, c'est pas une seule urgence, c'est pas une seule menace. Et voilà, et c'est ce qu'il faudrait prendre en compte. Et j'ai l'impression qu'en l'état, malgré les annonces qui ont été faites, qui peuvent sembler aller dans le bon sens, ou être insuffisante, on peut en discuter, mais il y a encore un de nos flancs qui est à découvert. Alors, ça va être l'heure de la pause, on est même un tout petit peu en retard. On vous laisse
10 minutes maximum pour commander à boire, je ne sais ce qu'il y a, si vous avez soif, revenir à table avec vos boissons, et puis après, on passera aux questions que vous avez à poser sur ce qui a pu être dit par Patrick Cotin et par Louis Raymond sur, autour de ces jeunes qui vont mal ou même en général autour de la santé mentale et des soins apportés ou difficilement apportés. Merci et à rendez-vous à 10h. Les questions, n'hésitez pas, profitez-en, que ce soit pour Patrick Cotin ou pour Louis Raymond. Je ne sais pas s'il y a un micro qui va circuler ou... Qui veut poser une question ? Tout le monde a ou a eu des adolescents à la maison. Il y a certainement une question à... Allez-y. Je ne sais pas si c'est bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si c'est une question. Alors, moi, je suis concernée pour différents... J'ai trois ados à la maison, déjà. Voilà, je suis maman de trois ados, donc déjà. Première chose. Deuxièmement, je suis infirmière scolaire dans un lycée professionnel, donc voilà, avec des ados qui ne vont pas très bien. Et puis, je suis également adjointe à la santé dans la commune de la Chapelle-sur-Ain. Voilà. Donc avec... C'est la triple peine. Là. Et donc avec un objectif à long terme, effectivement, de là, on va mettre en place un diagnostic santé avec un focus sur la santé mentale, notamment des adultes. Avec, dans les, justement, vous êtes en lycée professionnel, ils ont une particularité quand même dans le lycée professionnel pendant le confinement. Enfin, c'est... eux, à mi-temps, ça ne fonctionne pas, quoi. À 50%, ça ne fonctionne pas dans un lycée pro. Non, ça ne fonctionne pas. Les entreprises étaient très frileuses quand c'était possible, parfois, de les accueillir en stage. Enfin, c'était très, très compliqué. Donc, ils ont interrompu leur cursus. Voilà. Et donc, ma réflexion, c'était... Moi, mes enfants, hein, quand l'annonce du confinement a été posée, ils étaient enjoués... sauter de joie partout, et ils l'ont plutôt bien vécu parce que c'était plutôt, et la pression scolaire qui diminue effectivement, voilà. Et ils ont fait l'expérience sans doute qu'ils ont aussi bien appris que s'ils étaient allés je ne dirais non, pas ça, c'est parce qu'un certain nombre d'ados ont fait cette expérience là que quelques heures chez eux ils apprenaient autant que pendant la journée. Ouais. Alors ça dépend des profils des ados, hein. C'est-à-dire que j'ai la malchance d'avoir des adolescents qui écoutent leurs professeurs, a priori, et qui font le travail en classe, mais pas du tout à la maison. Ah, okay. Donc quand ils n'étaient pas en face de leurs professeurs, c'était compliqué. Donc des ados atypiques. Non, mais voilà. C'est juste en lumière que les enseignants sont un petit peu importants quand même. Moi, je me posais la question des causes des mal-êtres des adolescents. Donc, je me pose la question du rôle de l'école, premièrement. Quand même des écarts sociologiques, voilà, qui majorent et qui, là, moi, dans le lycée professionnel, même s'il y a des troubles psychiatriques dans tous les milieux, effectivement, les carences éducatives, l'aide à la parentalité sont quand même, à mon avis, des questions qui sont fondamentales et qui sont qui ont besoin vraiment d'être mis au devant de la scène pour pouvoir traiter avant. Oui, la réponse est oui. Ouais. Non, les inégalités sociales sont au cœur de la question de la santé mentale, on le sait. Sur beaucoup de plans, hein, puisque on a vu à quel point les conditions de vie, justement, des jeunes, en l'occurrence, mais pas seulement pour les jeunes, ont été extrêmement prépondérantes dans la manière dont la situation a été vécue. On l'a vécu pour nous-mêmes, avec un jardin, avec
des espaces dans la maison, plusieurs ordinateurs, c'est plus facile qu'avec un seul ordinateur dans trois pièces à 4 ou 5. Plus ce que j'évoquais sur les familles dysfonctionnelles, qui ont là pour le coup impacté les jeunes, enfin, la vie familiale d'une manière générale, mais aussi les jeunes. Et puis, peut-être par rapport à l'école, on expérimente depuis 4 ans sur Nantes la mise en place du climat scolaire. On accompagne les 10 collèges sur la question de la mise en œuvre du climat scolaire. J'ai proposé cette expérimentation il y a 4 ans maintenant parce que très très vite à la maison des ados, on a aperçu que la deuxième raison pour laquelle ils venaient nous rencontrer, après celle donc des relations intrafamiliales compliquées, c'était la scolarité. Des questions de ce que dans la scolarité, alors vraiment là, au fond, quand vous dites les causes, avec l'adolescence, ce qui est extraordinaire, c'est que tout est varié. Il n'y a pas une cause, il n'y a pas une manière d'exprimer. Donc il y a plein de causes possibles pour qu'il soit en souci. Et l'école en fait partie. L'école à la française, très descendante, hein, on le sait, n'est pas très favorable à l'épanouissement d'un certain nombre de jeunes. Quelques-uns se conforment sans problème. Oui, ils s'y conforment. Donc tout va bien. Mais pas tous. Et ceux qui ne s'y conforment pas ont vraiment beaucoup de mal à trouver de la place. Là, pour, oui, je reprends cette expression, s'épanouir. Bon, parce qu'il faut s'épanouir à l'école, je ne sais pas. On y passe du temps, en tout cas. C'est mieux. Puis le projet de l'école et du ministère de l'Éducation nationale, c'est bien quand même qu'il y ait du bien-être à l'école. On est quand même aux prises avec une organisation qui ne favorise pas trop tous ceux qui ne sont pas dans une capacité, au fond, à accepter la norme scolaire. C'est 50 minutes assis sur une table, en face à face. Ouais. Le choix a été fait hein, il y a 40 ans, aujourd'hui, 40, ouais, de cette organisation-là, puisque c'est posé la question, il y a un peu plus de 40 ans, de la manière dont on allait organiser le collège unique. Il y avait plusieurs modèles. Il faut lire François Dubec sur la question. Et il a des planches qui montrent comment les questions sont posées et les choix sont faits, notamment sur l'organisation à l'anglo-saxonne davantage en tour de table, ou à la française avec son estrade et dans une position maître-élève classique. Quoi. Il n'y a plus d'estrade, non. Non, mais c'est juste pour l'image, parce qu'il y a le maître, quoi. Vraiment. Qu'on n'est pas dans une pédagogie partagée, quoi. Donc il y a un certain nombre de jeunes qui ont du mal avec ce modèle-là. Et sans doute plus les jeunes du 21e siècle que précédemment. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'on a introduit la démocratie familiale. Enfin, on a introduit de la démocratie dans les familles. On va dire plutôt comme ça. Les plus anciens parmi nous, là, se rappellent peut-être, sinon du père, en tout cas du grand-père qui imposait le silence à table, par exemple. Bon, aujourd'hui, enfin, on a vraiment introduit la démocratie. L'image que je donne aussi pour dire ça, c'est moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'allais voir ma mère pour le repas du soir, je lui demandais qu'est-ce que l'on mange ce soir. Aujourd'hui, c'est plutôt la mère qui vient dire à son enfant « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» Vous voyez, c'est juste une anecdote, c'est une image. Il y a des positions un peu inversées. Et du coup, introduisant la démocratie dans la famille, on a habitué les jeunes à tendre cette démocratie partout où ils vivent. Dans les établissements scolaires, c'est compliqué. Donc il y a un vrai sujet. Si on a proposé cette expérimentation autour du climat scolaire, c'est parce que cette notion, elle est fondamentale. Elle introduit la dimension du bien-être. Comme on peut dire, le climat familial, l'ambiance. Donc vous avez un beau sujet, là.
sur votre territoire. Et est-ce qu'en tant qu'infirmière, vous avez vu justement... Est-ce qu'en tant qu'infirmière, vous avez vu les élèves, enfin ce que disait Patrick Cotin, en tant qu'infirmière scolaire, vous avez vu un peu une vague d'élèves allant mal ou... Alors, ils allaient déjà mal, mais ça a majoré leur mal-être. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'ils sont dans des situations familiales très précaires, et donc ça a majoré leurs troubles d'une manière générale. Avec une difficulté, c'était de pouvoir les suivre, c'est-à-dire que passer un coup de téléphone dans les familles, c'est compliqué, parce qu'il faut s'isoler, parce qu'il n'y a pas d'intimité, parce qu'après, il faut justifier le fait qu'il y ait eu un coup de fil de l'infirmière scolaire, etc. Et donc, ça présentait vraiment des complications. Mais oui, il y a eu beaucoup de décompensations, d'être... en permanence, en confinement, donc dans les familles dysfonctionnelles, ça a majoré vraiment des troubles. Et puis ça a fait décompenser des choses qui étaient latentes et qui se sont découvertes à ce moment-là. Il part de la déconstruction d'un cadre, d'une routine qui était... et puis le fait de pouvoir parfois, malgré tout, à l'école, oui, avoir un autre univers que la structure familiale. Tout à fait. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Dans ces familles dysfonctionnelles, l'école est une soupape essentielle. Une parenthèse, un moment un peu de... pas de liberté en tout cas, mais de un peu respirer. Et les services psychiatriques totalement débordés. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs élèves qui ont fait des tentatives de suicide majeures et que j'ai envoyées aux urgences psychiatriques et qui ont été envoyées chez eux, par faute de place. Oui. Le terme que vous avez utilisé est important. Dans les petites notes que j'ai prises pour cette soirée, j'ai écrit plusieurs fois « majoré ». Parce que c'est vraiment ça qui s'est produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas si le nombre de jeunes allant plus mal a explosé vraiment. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des majorations de difficultés de plusieurs natures, vraiment plusieurs natures. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas si ça ne va pas être durable un peu. C'est-à-dire là, avec quand même... les ados sont extraordinaires. Je le dis, je le répète. Ils sont très résilients. Je n'aime pas trop ce terme, mais quand même. Je vais l'utiliser là, parce que c'est plus simple. Tout le monde le connaît aujourd'hui. Et notamment si l'environnement est suffisamment solide. Les ados sont complètement poreux. Alors, c'est pour ça que j'aime bien l'expression de climat scolaire. Parce qu'ils sont complètement poreux à la notion de climat. Et notamment familial et psychique. C'est-à-dire qu'ils sont émotionnellement en prise directe avec les émotions de ceux qui les entourent. Et ça, si vous n'avez pas demain des adultes solides qui tiennent debout et qui vont tenir leur place, au fond, et les rassurer... Les ados ont besoin de ça. Ça va majorer là aussi des difficultés. Et puis il y a un sujet peut-être qui est un peu annexe, mais quand même, j'en parle aussi depuis un moment parce que ça m'a frappé. Nous, au niveau des maisons des ados, dans la dimension veille observatoire, on est très sensible à ce qu'on appelle les signaux faibles. Les jeunes qui viennent nous voir pour des petits trucs comme ça, il y en a un, il y en a deux, puis tout d'un coup, on voit que. Bon, l'exemple, le dernier exemple en date, après la radicalisation, après l'escarification, etc., c'est la transidentité, évidemment. Donc nous, on en voyait de temps en temps un peu, puis on a vu monter, puis tout d'un coup, ça explose. Et donc on est très sensible à ça. Et il y a un phénomène qu'on voyait venir depuis quelque temps, qui est qualifié d'éco-anxiété. Vous voyez, l'anxiété de l'environnement, de l'écologie, de... pour dire vite. Et ça, il y a un vrai sujet autour de ça, parce que les jeunes qui sont très pris par cette question de l'éco-anxiété, ils sont dans une position de, au fond, à quoi bon ? À quoi bon aller bosser à l'école alors que dans 10 ans, il y aura... Bon. Donc c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous le rencontrez au niveau de l'école. Et puis, depuis un petit moment, pas très longtemps, est ressurgi un terme d'un philosophe allemand qui s'appelle la solastalgie.
Vous en avez entendu parler un peu ? C'est important de s'attacher à ça, parce que là aussi, il y a un petit sujet. Oui, en deux mots, c'est la nostalgie de l'avenir. Donc, pour dire vite, c'est j'en parle parce que c'est un vrai sujet pour nous, les adultes qui les entourons. C'est d'avoir de l'espoir dans l'avenir. Et la solastalgie, la nostalgie, c'est quand on est nostalgique du temps passé, qui était évidemment merveilleux. Et puis la solastalgie, c'est le fait qu'on sait que ce ne sera pas merveilleux demain, alors qu'on pensait que ça allait l'être. Donc il y a un vrai embarras avec cette question qui rejoint l'éco-anxiété, qui est plus large que l'éco-anxiété. Parce que l'éco-anxiété, c'est vraiment autour des questions de l'environnement globalement. La solastalgie, ça peut être plus que ça. Et je pense que c'est un sujet aussi pour les établissements scolaires de demain. Je ne sais pas si vous... Moi, non. Je travaille au ministère de l'Agriculture, dans un lycée agricole. Donc, c'est une question récurrente. Hein, l'écologie, ça fait partie de leur cursus. Ça ne fait pas partie... ils le politisent beaucoup. Donc, ils le transforment vraiment. Et ils ont encore... C'est une inquiétude, mais c'est pas de l'ordre du trouble et de la psychiatrie, vraiment. Mais les jeunes, globalement, qui politisent leurs questions, ils vont bien. C'est ça. Et là, c'est plutôt le cas, en fait. Vous savez que pendant la guerre, tout à l'heure, il y a une question de guerre, là, c'est une guerre sanitaire. Il n'y a pas de dépression pendant les guerres. On n'a pas le temps, hein, déprimer. On est bien occupé à autre chose. Donc, après... Là, ça se complique. Mais après la guerre, moi, j'ai souvent dit qu'il nous faudrait une bonne après-guerre. Mais oui, parce que la guerre... Bon. Mais dans l'après-guerre, il y a du possible. Parce qu'il y a au fond deux positions dans l'après-guerre. On se lamente de tout ce qu'on a perdu, etc., de tout ce qu'on a vécu. Ou bien on reconstruit. Et quand on reconstruit... D'abord, on peut politiser la reconstruction, ce qui est intéressant. Regardez ce qui s'est passé en 1945. On a construit tout l'état social qu'on a aujourd'hui, hein, en 1945. Donc voilà, où on reconstruit, et du coup, on s'en met debout. Hein. On y va, on a des perspectives. Mais il y a l'autre volet qui est qu'on n'y arrive pas, qu'on se lamente, et qu'on va continuer à se lamenter, et qu'on va continuer à s'effondrer. Et là, il faut être présent. C'est pour ça que j'insiste sur ce fait que notre responsabilité, c'est d'être présent à ce qui va arriver. On ne sait pas quoi, mais à être présent pour eux, pour les tenir debout, parce que émotionnellement, ils vont être pris avec nos propres émotions. Donc, si on est nous déprimés de ce qu'on vient de vivre et de cette solastalgie dont je parlais, là, les ados vont aller vraiment très très mal. Il faut faire très attention à ça. Moi, je fais très très attention quand je suis avec des ados à pas laisser paraître mon... On échangeait tout à l'heure notre inquiétude sur l'avenir. Je voulais juste dire que malheureusement, il y a un tas d'adolescents et d'enfants qui vivent ces angoisses-là dans leur famille. Et comme les soins psychiatriques ou psychologiques ne sont pas très développés, en tout cas pas suffisamment, eh bien, chaque famille reste avec ses angoisses. Et là, clairement, je travaille au CEPA de Préau, c'est-à-dire que j'ai en charge, entre autres, de coordonner les parcours des enfants qui sont atteints de refus scolaire anxieux. Et on reçoit des coups de fil de tous les CPE actuellement qui craquent complètement, c'est-à-dire que ça explose absolument. Il n'y a plus de place dans les CMP, il y a des listes d'attente de 6 mois, on n'a absolument aucune solution à proposer. Surtout pour tout le département, parce qu'effectivement au nord c'est sinistré, il y a vraiment des jeunes et des enfants qui sont en grande souffrance. Tu connais Châteaubriant et tout ça, il y a pas grand chose pour eux. Et enfin, moi je
Je me dis juste que, bon, vous nous parlez des faits, rien que les faits. Moi, je parle avec mes émotions, comme d'hab. Et là, clairement, moi, je suis très, très inquiète. Parce que je crois qu'on est à la deuxième génération de gens qui n'ont pas eu les soins ou l'accompagnement qu'il aurait fallu pour eux, je sais pas, de l'accueil, de leurs angoisses, de leur mal-être peut-être familial ou autre, qui sont deux à leur tour parents, et j'ai le sentiment que la machine s'emballe totalement et que s'il y a une reproduction dans les familles. Je peux pas dire le contraire. Mais bon, je pense qu'on ne peut que faire confiance à l'avenir, sinon, que fait-on ? Peut-être se battre pour... Non, mais d'accord, bien sûr, il ne faut pas ne rien faire. Mais justement, politiquement, les jeunes se politisent, hein, faut pas penser qu'ils ne sont pas politisés. Ils sont politisés différemment de la manière dont on l'était. Ça fait déjà une quinzaine d'années, une vingtaine d'années plutôt d'ailleurs, mais il y avait un des mémoires qui s'était fait sur cette question-là, il y a 20 ans, sur la manière dont l'engagement des jeunes n'était plus celui que nous, on avait connu autour d'un parti politique, notamment. Oui, ils sont sur des objets partiels, temporaires, mais quand ils y vont, ils y vont. Donc, il faut prendre en compte ça. C'est plus le parti politique, c'est plus l'association, l'ONG. Et puis, c'est sur des moments. Ils sont, c'est différent, quoi. Donc, là, mais il faut leur faire confiance. C'est un reflet de la société. Oui, bien sûr. C'est pas que les jeunes, quand ils s'engagent au moment. Oui. Sur des objets partiels, ce qu'on appelle des objets partiels, c'est-à-dire des choses qui les touchent très personnellement, et sur lesquelles ils s'engagent totalement sur un moment. Ouais, un peu libéralisme, un peu le reflet de... Je sais pas. Moi, je ferais plutôt l'hypothèse qu'ils ont un peu abandonné l'idée qu'ils vont changer la société globalement. Ce qui était notre cas, nous. Nous, on pensait qu'on allait... c'était la révolution tous les jours. Ah oui. Bon. Alors, on en est un peu revenu aussi, donc... Faut dire aussi que les expériences qu'on a eues... il était fait état tout à l'heure du Vietnam, du communisme, etc. Ça n'aide pas trop non plus à s'engager politiquement... sur un projet de société globale, entre libéralisme et... Donc voilà, il faut trouver un espace là pour militer. Et puis, c'est objet partiel et territoire. Voilà, c'est du local. C'est penser global, agir local. Voilà. Ils sont pleinement là-dedans. Et je pense que là, il y a des espaces. Enfin, en tout cas, un certain nombre de jeunes trouvent des espaces. Et quand ils sont là, ils ne dépriment pas. C'est bien. Allez, encore une ou deux questions. Alors, Philippe Jaunet. Oui, moi j'avais une question par rapport aux missions des maisons des adolescents. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une mission d'observatoire. Donc j'imagine que... Après 15 ans d'existence à peu près en moyenne, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites à partir justement de ce que vous avez pu observer auprès des adolescents. Donc avec le recul maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un peu plus sur ce qui ressort des principales caractéristiques de ces jeunes ? Est-ce que l'irruption des réseaux sociaux, par exemple, depuis une quinzaine d'années, a amené... de nouvelles problématiques. Est-ce que vous avez observé des différences entre des maisons d'adolescents de ville, par exemple,
milieu urbain et puis de milieu plus rural. On a combien d'heures? Pour retourner à Rennes, à Carvalho. La question est extrêmement large. Mais en même temps, je vais pouvoir y répondre sans doute assez facilement dans la mesure où, comme je l'ai déjà dit, les ados sont extraordinaires et qu'ils inventent en permanence des manières d'être et des manières d'exprimer leur mal-être. Du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, les deux raisons principales pour lesquelles ils viennent nous rencontrer, troubles au sein de la famille et questions autour de la scolarité, qui sont les deux endroits majeurs où ils passent le plus de temps et qui, dans ce que je disais aussi de la perméabilité qu'ils ont au climat dans lequel ils vivent, le climat scolaire et le climat familial impactent directement leur état d'être au monde. Et du coup, toutes les problématiques qu'on voit, elles tournent autour de ces deux questions. Et elles conduisent à la troisième raison pour laquelle ils viennent nous voir, c'est un sentiment de déprime et de mal-être. Pas de la dépression, on ne parle pas de dépression, parce qu'on n'est pas on n'est pas du côté du médical au moment où nous, on les voit, en tout cas. Donc, vous voyez, trois piliers, là. Voilà. Et on tourne autour de ça. Et puis, comme ils inventent en permanence, qu'ils sont hypersensibles à l'air du temps, ils ont des symptômes de l'air du temps. Voilà. Mais les écrans, ça va passer, ils vont passer à autre chose demain. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'addiction aux écrans. Il y a des mésusages où du temps excessif passé devant les écrans, mais il faut prendre en compte le fait que c'est pas forcément de l'addiction dans le sens où ça perturbe pas forcément le développement général de l'adolescent. Hein. Il y passe du temps, bon, et alors? Il y en a qui passent beaucoup de temps à faire du sport, il y en a d'autres qui passent des heures à lire. C'est pas gênant, c'est pas ça qui est gênant. Ce qui est embarrassant, c'est quand ça impacte le reste de la vie. Essentiel. Donc ce qu'on a aperçu depuis 15-20 ans dans les maisons des ados, c'est ça, que ce triptyque climat scolaire, d'abord climat familial, climat scolaire et climat, enfin je ne sais pas s'il faut utiliser le terme de climat, en tout cas malaise pour lui-même, c'est toujours ça autour de ça, que ça, comme ça. Le reste c'est du symptôme, mais le reste c'est une manière d'exprimer son mal-être. Donc, il n'y a pas de révolution chez les ados, finalement. Ils servent de ce qui est dans... Je ne sais plus qui avait dit ça il y a quelque temps. Ça avait fait rire tout le monde, mais en même temps, c'était juste. Il n'y avait pas d'addiction aux écrans il y a 40 ans. Il n'y avait pas d'écran. Donc, il ne faut pas en faire un sujet. Ils font usage de ce qu'il y a dans l'environnement. Oui. Là, il y a... Et des formes de harcèlement que peuvent vivre aussi les jeunes. Oui. Oui, ça complique. Est-ce que vous l'observez, ça? Oui, oui, bien sûr, ça complique. Ça complique pour les jeunes qui sont victimes de harcèlement parce que ça décuple la question et ça la rend en plus permanente. Vous voyez, quand un jeune était harcelé ou une jeune fille était harcelée dans son collège ou dans son quartier et qu'elle rentrait chez elle et qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, petite bulle. Là, c'est plus compliqué. Donc, ça complique. Mais bon, il faut vivre avec. Non, il y a un empereur sur les réseaux sociaux dont on parle assez peu. Et moi, je trouve extrêmement grave. C'est que les jeunes qui passent pas mal de temps derrière leur écran, dans les réseaux sociaux, un certain nombre en tout cas, mais là aussi ça tient à des fragilités, mais ça accentue, ça majore cette fragilité, qui est la question de l'empathie. Il y a une étude de, je ne sais plus si c'est Monique Dagneau ou je ne sais plus, qui a montré qu'il y avait une baisse de l'empathie dans l'usage des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, et on l'a tous vécu,
quand vous envoyez un mail ou un SMS, prenez bien garde de le relire avant d'envoyer. Parce que le premier jet, en général, il est un peu sec. Mais pour une raison simple, c'est que vous n'avez pas le feedback de l'autre derrière votre écran. Et donc, vous êtes dans une manière de parler, d'émettre un message qui ne tient pas compte de la manière dont l'autre va le recevoir. Et ça crée chez un certain nombre de jeunes vraiment une pathologie de l'empathie. Ça, c'est embarrassant. Sinon, les réseaux sociaux, c'est une manière d'être en lien avec les autres. Pourquoi ? Non, vraiment, c'est pas un problème, les écrans. Non, c'est pas un problème, c'est une chance inouïe. Si, quand même. Non, vous trouvez pas ? C'est difficile à gérer. En tout cas, c'est un objet de tension, on le sait. Oui, il faut rien d'autre en attendant, quand même. Mais vous trouvez que vos enfants sont débiles ? Je réfléchis. Je pense que non. On s'abêtissait autrement. À l'adolescence, on a besoin de s'abêtir un peu. Que tout soit pas sérieux, en tout cas. Qu'il y ait du ludique. C'est une manière d'être du ludique que d'être dans des échanges où il se passe rien, en fond. Il se passe rien de sérieux. Ce qui se passe, c'est du lien. Vous parliez de... Excusez-moi. On va attendre le micro. J'attends le micro. Il y a deux dernières questions. Merci, bonsoir. Je rebondis sur les tensions. La perméabilité, je retiens vraiment ça dans ce que vous dites. Mais du coup, est-ce que prendre soin des ados, c'est aussi prendre soin des parents ? Parce que c'est pas si simple, parents d'ados, de garçons, une jeune adulte. Voilà, donc là, j'ai retenu le terme, ma fille connaît, moi je ne connaissais pas, voilà, cette nostalgie de l'avenir. Comment, en tant que parent, on peut au mieux accompagner nos jeunes, nos ados, et dans quels espaces ? Parce que ce n'est pas si développé quand même, je trouve. Bon, vous comprenez bien qu'avec ce que j'ai pu dire de cette perméabilité, cette porosité... Les parents sont essentiels. Nous, on a tout intérêt à ce que les parents aillent bien. C'est une des conditions. Comme l'école. Que l'école aille bien. Et qu'il y soit le mieux possible. Bon. Donc, on développe, en tout cas au niveau de la maison des ados, beaucoup de liens avec les parents. Mais, comme je l'ai dit aussi au début, les ados ne sont pas favorables toujours à ce que l'on reçoive leurs parents. Et je redis ce que je disais, c'est aussi pour les protéger, leurs parents. Pas pour les embêter, c'est pour les protéger. Mais il y a un travail à faire, évidemment, pour que la constellation familiale, l'ambiance familiale, soit la plus favorable possible pour tous, pour les parents et pour les jeunes. Donc il y a nous, mais il y a d'autres. Il y a l'école des parents et des éducateurs sur le territoire, qui n'est pas partout dans le département, mais puis, il y a localement des associations qui portent des projets de soutien à la parentalité, comme on dit. Et je peux vous dire que quand Laurence Rossignol était au ministère de la Famille, Enfance, Famille et puis Droits des Femmes, on a beaucoup travaillé ensemble sur le plan bien-être et santé des jeunes, mais pas seulement.
et on a beaucoup travaillé notamment à faire valoir auprès de la CNAF, qui avait du mal un peu, la CNAF, vous voyez, qu'est-ce que ça se passe, allocation familiale, qui avait beaucoup de mal à entendre au fond que parents d'adolescents, c'était un vrai sujet. On a mis 3-4 ans à leur faire entendre qu'il y avait un vrai sujet. Que travailler sur la petite enfance, c'était très bien, c'était nécessaire, il n'y a pas de question. Mais que travailler aussi sur cette période de l'adolescence, c'était un sujet. Donc on a fait avec Laurence Rossignol un livret parents d'ados, par exemple. Il y avait eu un livret enfant. On a fait la saison 2 avec le livret parents d'ados. Parce qu'on le considérait comme un vrai sujet. Aujourd'hui, la question du soutien à la parentalité, elle est quand même une question permanente. Les moyens ne sont pas à la hauteur. On est d'accord. Notamment dans les collectivités. Il faut en faire un vrai sujet aussi pour vous. Oui, c'est sûr. Bah, une des fragilités et des vulnérabilités, puisque le terme a été employé tout à l'heure, elle est là aussi. La dernière question. Je vais peut-être me la réserver, mais c'est une double question. Donc, il y en a encore là-bas. Bon, il y a les deux dernières, mais voilà. C'est les vraies deux dernières. Peut-être qu'elles vont plus s'adresser à M. Raymond qu'à M. Cotta, qui a beaucoup parlé, donc il va l'économiser un peu. On a parlé tout à l'heure d'une guerre, le président de la République avait parlé d'une guerre, avec les déflagrations qu'on voit au niveau de la santé mentale suite à cette guerre sanitaire. J'aurais aimé savoir si vous aviez des informations, puisqu'en ce moment il y a une recrudescence du Covid partout en Europe, et notamment en Europe de l'Est. Comment est-ce que, l'un ou l'autre d'ailleurs, est-ce que vous avez des infos sur comment ça s'est passé au niveau des soins psychiatriques est-ce qu'il y a eu plus de malades mentaux, entre guillemets, suite au Covid dans d'autres pays? Est-ce que la France a bien tenu? Je vois par exemple en ce moment... grâce à la vaccination, la vague est apparemment un peu moins forte. Je ne sais pas ce que ça va donner bientôt, mais est-ce qu'ailleurs ça a été aussi marquant et marqué qu'en France? Et puis la deuxième question, je crois que vous avez aussi travaillé sur un sujet, parce qu'on a beaucoup parlé des ados, mais sur les enfermements abusifs à l'hôpital. Voilà. Et ça, c'est un autre sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé au cours de la soirée. J'aimerais bien que vous donniez un avis, un éclairage là-dessus également, si vous voulez bien. Merci pour votre question. Alors, au niveau des autres pays, il y a eu, début octobre, un rapport de l'UNICEF sur la question de la santé mentale des adolescents au niveau mondial, et qui montrait qu'effectivement, la France n'était pas le seul pays à faire face à ce type de risque, que c'était assez généralisé. Et la question, c'est système de santé par système de santé, qui est capable d'y faire face? Je m'intéresse pour des raisons personnelles et professionnelles beaucoup à l'actualité de l'Asie du Sud-Est et du Vietnam en particulier. Au Vietnam, il y a eu, entre juin et septembre, un confinement absolument drastique, où c'était... notre premier confinement, mais en pire, notre premier confinement a duré à peu près 2 mois. Eux, ça a duré 2 fois plus longtemps, avec le variant indien, le variant Delta, comme on l'appelle. Et ils n'avaient pas d'autorisation de sortie. Vous savez, on avait des petits papiers à remplir pour pouvoir aller faire un tour. Eux n'avaient pas ça. Et il y a eu des conséquences absolument terribles sur le moral, sur le... comment dire... sur l'environnement social, dans un pays où les capacités psychiatriques étaient très limitées. J'avais fait un reportage à l'époque où j'y vivais sur un hôpital psychiatrique qui était l'ancien asile colonial créé par les Français. Là, on était encore tout à fait dans la logique asilaire, qui était voilà, l'institution psychiatrique, l'internement comme condition des soins. Et c'était des institutions énormes. Il y avait 1200 lits. Pour vous faire une idée, c'est 5 à 6 fois plus grand que les plus grosses institutions psychiatriques qu'on a en France, qui sont à peu près de 250 lits pour les plus grands. Alors à Paris, à Sainte-Anne, c'est peut-être un petit peu plus. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Et dans ces pays-là, dans un pays comme le Vietnam, voilà... vous avez un confinement absolument dur, avec un système de
santé mentale qui n'est pas du tout territorialisée, il n'y a pas de maillage par secteur comme en France, et là, il va y avoir énormément de gens qui vont passer entre les mailles des filets. En plus de ça, vous ajoutez à ça le fait que les aides sociales, les amortisseurs sociaux, nous, on a eu le chômage partiel, etc., mais dans Vietnam, qui est théoriquement un pays communiste, il n'y a pas ça. Donc voilà. Pour la santé mentale, c'est vraiment une composante de la santé globale. Ce qui va faire que, aussi, ça va être plus grave, c'est comment vous êtes accompagné pour faire face à un tel choc, à un tel état de sidération. Si on vous rassure quelque part, si l'État, qui joue son rôle social, son rôle d'État-providence, s'il vous donne des garanties pour amortir quelque part le choc, peut-être que ça va aller mieux. C'est dans mon reportage, celui pour Place Publique, il était question aussi un petit peu des commerçants, des artistes, etc., qui ont dû fermer boutique, qui n'ont pas pu travailler, des artistes de théâtre, des musiciens. Voilà, c'était le type de nouveau public qu'on pouvait avoir aussi. La question, c'est, s'ils ne sont pas du tout accompagnés, là, il y a un risque vraiment de décompensation. S'ils sont peut-être un petit peu accompagnés, quelque part, ça va aider aussi leur santé mentale sur le court, le moyen ou le long terme. Donc voilà, je crois que pays par pays, il faut voir ça. Mais alors, le rapport de l'UNICEF que j'ai cité ne parle que de la santé mentale des jeunes, des adolescents, mais c'est à peu près partout la même chose. La situation que l'on vit en France, c'est tous les pays qui ont eu un confinement, qui ont eu des confinements longs. Ça dépend des types de gestion de crise, etc. Mais voilà, il y a tellement de facteurs qui ont de bouleversements sur ces 18 derniers mois que voilà, je pense que c'est partout la même chose et que ça dépend des systèmes de santé, des réponses pays par pays. Sur votre deuxième question, qui était celle des internements sans consentement en psychiatrie. Alors là, le reportage que j'ai fait, j'ai accompagné la juge des libertés de la détention pour ses audiences à l'hôpital Saint-Jacques. Les juges sont entrés à l'hôpital il y a une dizaine d'années. Avant, il n'y avait pas forcément de contrôle de la procédure. Cependant, le juge est habilité à contrôler non pas le fond, parce qu'il n'est pas médecin, il n'a pas la compétence médicale, mais la forme. Donc la procédure. Et la procédure, elle est très contrôlée et très complexe. C'est-à-dire que quand le patient arrive, le médecin doit faire un certificat médical, puis 24 heures, puis 72 heures, puis ensuite, il faut qu'il voit un juge. Et du coup, les audiences visent à vérifier la procédure. Le patient raconte pourquoi il est là. Et son avocat, le plus souvent commis d'office, va essayer de voir si la procédure a été respectée. Et là, c'est particulièrement procédurier, puisque parfois, des cas médicaux graves, leur internement peut être levé pour vice de procédure. Et donc, ça met en difficulté les psychiatres, le soin, en fait. Et donc ça, c'est... Alors, en général, à Nantes, ça se passe plutôt bien. De la vie, j'avais fait un entretien avec le docteur Delaunay, qui est le chef du pôle de psychiatrie à Saint-Jacques, qui me disait, bon, dans l'ensemble, ils ont plutôt des bonnes relations avec les juges, mais ce n'est pas dans toutes les villes. À Nantes, on est plutôt bien lotis. Ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, les juges et les médecins vont se marcher un petit peu sur les pieds. Le souci principal qu'il y a sur les internements sans consentement se situe dans les zones grises du droit autour d'un internement en particulier sans consentement, qui est le SDRE, sur l'internement sur demande d'un représentant de l'État pour péril imminent sur la voie publique. Alors là, c'est typiquement un SDRE, c'est vous avez quelqu'un qui est jugé dangereux par la police, qui a, je ne sais pas, agressé des gens, etc., ou qui est en situation de... qui est sous toxique. Il va être arrêté par la police, peut-être mis en garde à vue. Au cours d'une garde à vue, la police va juger qu'ils ne sont pas capables de l'interroger, que ce n'est pas possible, et donc ils vont demander à ce qu'il soit interné. Moi, j'ai assisté à des audiences de patients qui étaient internés en SDRE, notamment d'un patient qui était d'origine d'un pays d'Afrique centrale, qui était en crise mystique et qui avait présenté
un trouble sur l'ordre public, qui avait mis en danger les personnes qui étaient autour de lui. Bon, voilà, c'est quelque chose qui existe. Il y en a à peu près 150 par an des SDRE dans le département. Là, il y a une zone grise du droit qui est, selon les mots de la juge que j'ai rencontrée, que la justice est bien consciente que parfois, la préfecture va faire en sorte que, voilà, de psychiatriser un peu des cas qui relèvent pas forcément de la médecine, parce qu'il faut bien qu'ils soient enfermés quelque part, parce que sinon, ce serait inacceptable aux yeux de l'opinion publique. Et donc, on se retrouve dans une situation un petit peu ubuesque, qui est que, vous savez, la durée légale d'une garde à vue, en France, c'est 48 heures. Eh bien, quand vous mettez bout à bout une garde à vue, un internement après une garde à vue, plus le SDRE, plus les 72 heures, plus après le temps de voir le juge, etc., ça fait qu'on peut avoir des détentions qui sont beaucoup plus longues que la durée légale d'une garde à vue, parce qu'il est très difficile de faire lever un SDRE, parce que la préfecture va mettre des bâtons dans les roues en usant de la procédure. Alors, il n'y a pas de cas particulièrement grave. Hein. Les cas de gens enfermés sans leur consentement, ils voient un juge, dans le pire des cas, au bout de 15 jours. Donc voilà. Mais tout de même, on est quand même 15 jours, c'est 7 fois plus que la durée légale d'une garde à vue. Donc voilà, il y a toujours ce risque-là. Et ça, c'était ce que je montrais. Il y a un autre enjeu, enfin, qui est que vous avez en psychiatrie, dans les unités fermées, parfois des gens qui ont un passé judiciaire lourd et qui sont traités en psychiatrie. Ça peut être voilà, pour des crimes qu'ils ont commis, qui ont été jugés en cour d'assises, ou soit ils ont été déclarés irresponsables, soit on a jugé, dans le cadre du système carcéral, qu'il était mieux qu'ils soient dans une unité fermée en psychiatrie afin de suivre des soins. Là, au bout d'un certain temps, les médecins peuvent décider d'octroyer des sorties d'essai à ce type de patients. Parce qu'on peut considérer que, au bout de, je ne sais pas, 5 ou 10 ans dans l'institution, ça peut leur faire du bien, qu'ils sont dans un processus de réhabilitation. Et bien là, c'est de plus en plus difficile de faire sortir des patients en sortie d'essai pour les médecins, parce que la préfecture, pour des raisons politiques, des raisons de sécurité, va essayer de mettre des bâtons dans les roues de ces sorties d'essai. Et ça, ça a commencé sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il y a eu un fait divers à Grenoble. En gros, un patient en sortie d'essai a pété un plomb et a assassiné quelqu'un, un étudiant dans la rue à Grenoble en 2008. Et donc, depuis, vous savez, un fait divers, une loi, c'est la logique terrible de la politique. Et donc, depuis, l'ordre a été donné au préfet de ne plus autoriser systématiquement les sorties d'essai que demandaient les médecins. Et ça donne des situations qui sont parfois compliquées à vivre dans les hôpitaux et puis pour les soignants. La toute dernière question, mais alors très court. Très court. Non, je pense que... Non. Vous avez de la vite à faire. Voilà. Donc, c'est... Et si elle est courte, elle est courte ou pas? Je pense, mais je peux comprendre. Je pense que c'est plus long. Les portes de la maison des adolescents vont être ouvertes. C'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. Hormis des formations ou des conseils pour les parents d'adolescents, les adolescents eux-mêmes, de vivre dans un monde d'incertitude, si vous aviez une action, l'un comme l'autre, à proposer concrètement là, dans les mois à venir. Voilà, si vous aviez une baguette magique pour favoriser le retour à la normale de la santé de nos adolescents et de nos jeunes, quelle serait cette action, tout simplement? Non, je... À chaud comme ça. Ouais, c'est pas tant une action qu'une position. Et ça fait écho à ce que vous dites sur l'incertitude. La pire des choses pour les adolescents aujourd'hui, c'est ça. C'est que c'est pas que eux sont dans l'incertitude, c'est que leur environnement est dans l'incertitude. Donc, ce qu'il faudrait pouvoir faire, si on avait une baguette magique, justement, ça rejoint plusieurs des discussions qu'on a eues là, c'est de pouvoir avoir de l'optimisme pour demain. C'est ça qu'il faudrait pouvoir pour nos ados. Pour nos ados de demain. Pas facile. Merci.
Moi, je crois que ce serait quelque chose de très concret. Vous avez parlé tout à l'heure, madame, des délais qu'il y avait dans les CMP. Les délais sont très longs. Il y a une vraie inégalité territoriale, en plus, où dans les villes, ça va. À la campagne, à Blain ou dans le nord du département, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, une mesure très concrète, ce serait... Emmanuel Macron a annoncé 800 postes créés dans les CMP. Moi, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. Voilà. Et ça aiderait beaucoup, parce que ça réduirait les délais. Et pour les CMP, en pédopsychiatrie, comme en psychiatrie pour adultes, et ce serait très utile d'avoir ce que ça permettrait. Je crois que la loi pluriannuelle de programmation dont je parlais, c'est pas d'actualité, mais multiplié par N le nombre de postes créés, ce serait très utile. Ne pas faire du saupoudrage de moyens, mais donner de véritables moyens à la santé. Alors, il faut lire l'ouvrage de Cynthia Fleury dont vous avez parlé, sa leçon, là, qui est très accessible et qui s'appelle de mémoire « La santé est un humanisme ». C'est le soin est un humanisme. Le soin est un humanisme, c'est merveilleux. Merci. Ouais. Merci à toutes et à tous. Merci à Patrick Cotin et à Mélan pour leurs interventions. Bonne route vers Rennes.